Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa min wala wa ba'd. Mes frères et sœurs, alors dans cette vidéo, je voudrais parler d'un sujet qui est très important et je voudrais faire malheureusement un constat qui est accablant que j'ai pu faire au fil des années concernant les écoles musulmanes dans les pays musulmans. Et ce constat accablant, mes frères et sœurs, c'est que malheureusement, il est compliqué, que ce soit en France, que ce soit au Maroc, en Égypte, en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït, etc., il est vraiment compliqué de trouver une école, on va dire, digne de ce nom. Et il est vraiment compliqué de trouver une école digne de ce nom dans tous ces pays. Alors, qu'est-ce que j'insinue par une école digne de ce nom? J'insinue par une école digne de ce nom, une école qui est équilibrée, entre le religieux et entre les matières, on va dire, plus ou moins générales et mondaines. Généralement, lorsque tu viens par exemple ici en Égypte, au Maroc, même en Arabie Saoudite, etc., tu vas généralement voir que les écoles pour les enfants, elles sont soit axées sur le religieux, très axées sur le religieux. Alors il y a un délaissement de tout ce qui est matière générale, mondaine. Et à contrario, tu vas avoir des écoles qui sont très axées sur le général et qui malheureusement, il y a un total délaissement du religieux. Donc c'est très très rare malheureusement de trouver des bonnes écoles pour les enfants qui sont vraiment axées sur le din. Donc ce constat, j'ai pu le faire au Maroc. Aujourd'hui, vous allez demander aux frères qui vivent au Maroc. Ils vont vous dire que c'est compliqué de trouver une école pour les enfants qui ont 8, 9 ou 10 ans, qui sont en primaire, qui dès qu'ils rentrent au collège, de trouver des écoles qui ont mis l'accent sur le côté religieux autant que sur le côté mondain et général. Parce que l'enfant, pour se développer, bien sûr qu'on a besoin de la religion. C'est la base des choses. On doit enseigner à nos enfants la religion. Mais également, on doit enseigner à nos enfants les matières générales pour qu'ils deviennent des personnes responsables dans leur vie. Et avec du recul, je vois beaucoup de frères qui ont tout fait pour essayer de donner une éducation religieuse à leurs enfants, mais ils ont énormément délaissé le côté général et mondain, les matières que l'on doit apprendre pour s'en sortir dans la vie. Et dès que leurs enfants arrivent à l'adolescence et à l'âge adulte, ils ne peuvent pas trouver de travail. Et pour être bien dans cette dunia, il faut trouver un travail pour pouvoir se marier, pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, pour pouvoir fonder une famille, etc. etc. Donc ça, c'est un problème. Et de l'autre côté, tu as ceux qui ont tout misé sur le côté mondain. Et tu vois que leurs enfants n'ont aucun bagage religieux. Et donc c'est le même constat au Maroc. Alhamdoulilah, Allah m'a facilité. Pour mes enfants maternels, j'avais déjà parlé de cette école à Tanger, qui est l'école Apprendre Autrement, où le frère et la sœur qui ont monté cette école, qu'Allah Azzawajal les récompense, ils ont vraiment essayé de mettre l'accent, ils ont vraiment mis en place un bon programme où le programme est équilibré, l'enfant avance autant dans les sciences religieuses que dans les sciences mondaines. Et donc, je recommande à tout le monde cette école sur Tanger qui s'appelle Apprendre Autrement. En Égypte également, c'est le même problème à ce que j'ai pu voir depuis que je suis arrivé. Beaucoup de frères mettent leurs enfants dans des écoles qui sont très axées sur le religieux et malheureusement pas assez de cours du cursus, on va dire, plus ou moins général et mondain. Après, il y en a ici au Caire, c'est généralement les écoles azharites, elles sont un peu plus chères. Donc voilà pourquoi parfois certains frères ne veulent pas mettre leurs enfants là-bas. Elles sont un peu plus chères. Mais voilà, le constat, il est accablant. C'est vrai que
C'est compliqué aussi ici hein, de trouver des écoles dignes de ce nom. Les enfants vont bien avancer dans l'arabe et dans le Coran, mais dans les matières générales, on va dire que c'est assez encore complexe. Ce n'est pas aussi on va dire facile qu'on ne peut le penser. Donc voilà un peu le constat que je voulais faire, qui était un peu accablant sur les écoles dans les pays musulmans. Et je pense que, comme on se disait avec quelques frères, en vérité, il ne faut pas qu'on attende tout des écoles. Il faut que nous-mêmes, les parents, parce que je vous rappelle que la maternelle, c'est vient de mère. Et c'est à la base, il faut que nous, les parents, on soit capables de donner une bonne éducation à nos enfants. Il faut que l'on soit capable de pouvoir les éduquer, de pouvoir leur apprendre. Et c'est pour ça qu'il faut choisir une bonne épouse qui a la capacité de pouvoir enseigner aux enfants à la maison. Donc voilà un peu, mes frères et sœurs, le constat que je voulais vous partager. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.